ça a été un moment important pour moi, quoi. J'ai retrouvé dans le monde des manifestants une ferveur, enfin quelque chose qui m'a emporté, quoi. Il serait génial en France le gâteau pour tout le monde. On pourrait continuer à donner une vision au monde, en fait. Le pays des droits de l'homme, toujours aller vers le progrès social, toujours, toujours. Les gens disent un jour ça va péter. Bon ben voilà, ça avait commencé. Eh ben, il faudrait que ça continue. Ça a ouvert les yeux et ça a ouvert les yeux aussi sur un monde où on peut se partager vraiment, on peut être dans le partage. Monsieur Macron a menti aux Français. Monsieur Macron n'est pas digne de rester président. Il y a eu le bris du silence, en fait, quelque part. Et il reste encore tant de choses à découvrir que c'est une aventure incroyable, quoi. Alors, c'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé. Entre nous deux, la tyrannie sous l'étendard sang élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras pleurer dans nos villes nos sarcasmes aux armes, aux armes, etc. Aux armes, aux armes, etc. Que veut cette horde de militaires, de traîtres et de rois conjurés, quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français, quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers, quoi? Nos flics, soldats, mercenaires, alors qu'on est tous étrangers. Aux armes, aux armes, etc. Aux armes, aux armes, etc. La loi triche, l'imposerie des malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un creux. Des preuves qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas. Pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux à la naissance, parfois. Liberté liberté chérie. Ce qu'on l'a tué, non que l'odeur. Amour sacré de la patrie et la fraternité se meurt. Et ta fraternité se meurt. Aux armes, aux armes, etc.
Dès le début. Dès le 17 novembre, j'ai vu les copains qui ont commencé à sortir dehors. Sur les réseaux sociaux, ça a été très vite. Je me suis installé en fait à Vénissieux, au rond-point de Vénissieux en fait. Il y avait quelques familles, c'était marrant parce que il y avait des familles d'origine maghrébine, il y avait des trucs. Et on renouait avec la communauté, avec l'esprit que les politiques parlent et dont ils ne respectent jamais au final. En rentrant donc le soir, je regarde un peu la télé. Alors je ne sais plus si c'est le soir ou si c'est le lendemain en fait. En écoutant la télé, je serais incapable de me rappeler ce que c'était. Mais j'entends des trucs qui m'ont fait bondir. Tu vois, déjà les mensonges, alors que je ne savais même pas ce qui se passait, j'ai eu l'impression déjà qu'on racontait des mensonges à la télé. Et je me suis dit, demain, je suis gilet jaune avec eux. C'est les gilets jaunes, comme en 1793, c'était la rue qui a commandé. Ah ouais, c'était les sans-culottes. Et là, ça en prend le chemin, le même chemin. Hein. Au lieu de dire les sans-culottes, ce sera les gilets jaunes. Je voulais changer carrément le système à l'heure actuelle. Car cela fait 40 ans que tous les gouvernements nous mentent. Et j'ai promis d'être là depuis le début jusqu'à la fin. J'ai commencé dans les manifestations. Voilà, à me renseigner d'abord où avaient lieu les manifestations, les revendications qu'il y avait sur le mouvement. Pour pas faire non plus n'importe quoi. Et puis, on a rejoint le mouvement au lieu dit Place Bellecour. Le premier engagement, c'est ça, c'est juste mettre son gilet jaune, rencontrer les personnes. Et en fait, j'ai rencontré des personnes là-bas qui, tout simplement, m'ont donné envie de rester, quoi. Et c'était vraiment des belles personnes, des témoignages d'horizons extrêmement différents. Et c'était génial. Et donc du coup, je me suis dit, j'ai envie de les retrouver le samedi d'après, voir si ça tient, voir si ça continue. Après, je suis allé sur des différents ronds-points, sur des péages, etc. J'ai tissé des liens avec des personnes que j'aurais jamais rencontrées dans un autre cadre. Alors je me suis engagé dans le mouvement, on va dire un peu, pas par hasard, mais ma fille qui est lycéenne, qui a 16 ans, qui est au lycée en première, en fait qui a participé un peu au mouvement des lycéens contre le projet de la CAPSUP. Donc je me suis intéressé un peu de loin et après j'ai vu quelques vidéos qui tournaient sur internet sur la violence qui pouvait être faite envers ce mouvement. Donc ça m'a un peu interloqué, un peu choqué. La réponse n'était pas... n'était pas en adéquation avec des jeunes de 16 ans. Début janvier, je suis allé tous les samedis rejoindre le groupe des manifestants. Quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis tout de suite impliqué dans la mesure où moi je suis né dans les quartiers ouvriers, de famille ouvrière. Et d'une certaine façon, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois lors des manifestations Gilets jaunes. Il faut pas que ça soit pris pour de la prétention, mais en mon fort intérieur, je me suis dit finalement, ça fait plus de 25 ans que je suis gilet jaune. Et c'est une opportunité, non pas en étant opportuniste, mais c'est une occasion de faire entendre ma voix comme plein de gens le font. J'ai dit à ma femme, j'ai dit à Daniela, écoute, là il y a quelque chose qui se passe. On a vu tous les échanges sur les réseaux sociaux, les appels, les différents appels. Et c'est là qu'on a décidé d'aller le fameux samedi 17 sur le rond-point de Auchan à Saint-Priest. On était vraiment heureux de se retrouver là et de voir qu'il y avait des gens comme nous qui avaient les mêmes revendications, les mêmes doléances, les mêmes colères qui s'exprimaient là de façon tout à fait libre. J'ai reçu mon relevé de retraite, donc si je travaille jusqu'à l'âge de 67 ans, voilà ce qu'on va me donner, 687 € de retraite brute par mois, complémentaire comprise. Je suis un révolté de toujours parce que je suis une personne qui a été abandonnée par mes parents. C'est une revanche personnelle. Je veux montrer que dans la vie, il faut être courageux. Malgré que je travaillais, je m'occupais des SDF, des malheureux, des clochards. Pendant 25 ans, je m'occupais de tous ces gens-là, car
moi-même, je suis resté 12 ans dans la rue. Et je m'en suis sorti tout seul. Aujourd'hui, on est dans l'effondrement social. Tout est en train de s'effondrer. Les valeurs sociales en France, tout est en train de s'effondrer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, quoi. Il faut nourrir l'espoir. C'est important. Donc voilà, quoi. On a la couleur, hein. Le jaune, c'est le signal d'alarme, quoi, en fait. Hey, les gens, réveillez-vous, quoi, en fait. Descendez tous dans la rue. C'est des demandes qui devraient répondre à tous les citoyens, qui ne sont pas juste pour une classe sociale ou pour un petit groupe de personnes. C'est vraiment, ce mouvement, c'est vraiment pour toutes les personnes qui vivent en France. On s'en sort pas. Donc, en tant que maman célibataire de 4 enfants, je me devais de rejoindre ce mouvement parce que y a plein de choses qui ne vont pas au niveau du gouvernement, quoi. Et ça faisait un moment que j'attendais que tout le monde se réveille. Moi, ce que je trouve bien dans ce mouvement, c'est que les gens, ils y vont pas pour eux. Tu vois, on ne sort pas pour nous, on ne sort pas pour défendre nos petits intérêts. Je suis arrivé en fin de carrière. J'ai eu 2 années de chômage. Donc j'ai vu ce qu'ils étaient en train de mettre en place, que ce soit pour le chômage, pour les chômeurs, pour la retraite, pour un certain nombre de choses, quoi. C'était révoltant toujours de demander aux mêmes de faire des efforts pour d'autres qui s'en mettaient toujours plein les poches. Les réponses de M. Macron, elles sont extrêmement décevantes, voire elles peuvent susciter la colère. Je pense que les Gilets jaunes, on cible Macron pour essayer de faire descendre de sa tour de Babel, en fait. Il est complètement déconnecté de la réalité. Soit il est inconscient, ou soit il est complice. Pour moi, Macron, il représente l'ultra-richesse des capitalistes. Et il n'a pas vraiment de réponse pour les personnes un peu plus démunies. En décembre 2018, Macron avait dit « En 2019, rien n'augmentera, ni l'essence, ni l'électricité, ni le gaz. » Or, depuis le 1er mars 2019, tout a augmenté. C'est de l'hypocrisie, on l'a bien compris, Macron ne doit plus être président de la République. Macron, si ça continue, tu vas être pendu par la peau des fesses. Macron, si ça continue, tu vas être pendu par la peau du cul. Macron, Macron, démission. Macron, Macron, démission. Un dictateur. Voilà, moi, Monsieur Macron, j'ai pas voté pour lui, hein, clairement. J'étais pas du tout pour. Du fait que je trouve pas que c'est un bon président qui écoute son peuple. Il se moque beaucoup aussi. On a l'impression qu'on est des bourses ambulantes avec ce gouvernement. C'est un homme qui est arrivé au sommet du pouvoir très rapidement. Et à mon avis, à un moment, il s'est très vite déconnecté de la réalité. Alors si Macron, les réponses de Macron étaient à la hauteur de mes attentes, notamment, est-ce que je peux juste éclater de rire et plus rien dire? Parce qu'en fait, non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, en fait. Macron, avant, il symbolisait la toute-puissance du libéralisme, alors que maintenant, il symbolise un libéralisme qui, selon moi, est fragilisé par la voix du peuple. Macron, je ne vais pas dire que je l'aime, mais pour moi le problème, ce n'est pas Macron, c'est tout un système qui dure depuis longtemps, probablement depuis les années Mitterrand, Sarkozy, etc. On en arrive maintenant, du point de vue de la démocratie, pour moi c'est grave, à un point où le premier parti de France, c'est les abstentionnistes. Donc lui, ça a continué dans la même lignée, mais lui, ce qu'il a rajouté de plus,
c'est son arrogance et ce que j'appelle, moi, la verticalité. Tout a été coupé. Pour moi, il y a eu le roi Macron et puis nous en bas. Donc, ben voilà, qu'est-ce qui arrive ? La révolte, parce qu'il n'y a plus que ça pour se faire entendre. Pour moi, il y a un mépris, on en arrive là, un mépris des classes. Pourquoi on l'a élu ? Je veux dire, il était ministre de l'économie et en fait, il a soldé nos plus beaux joyaux. Et du coup, on l'a élu. C'est vraiment qu'il y a un problème en France, en fait. On choisit par dépit et on vote pour des baltringues. C'est pas normal, quoi. J'aurais un peu d'empathie pour lui parce que c'est une personne, aujourd'hui, il ne peut plus descendre voir son peuple. C'est terrible, quoi, en fait. Il n'y a pas eu de réponse financière, il n'y a pas eu de réponse sociale. C'est vrai que Macron, il reste, je pense, il est cloisonné dans sa tour d'ivoire et ce qui se passe en bas de cette tour, il fait pas attention. Donc. Très vite, on a vu quelqu'un de très arrogant, de méprisant. Il s'est cru au-dessus de tout, au sommet de tout. Il s'est arrogé une certaine déité, Jupiter. Tout le monde en parlait, c'était Jupiter, jupitérien. Il s'est totalement coupé du peuple qu'il ne connaissait pas, de par son parcours que tout le monde connaît, et avec un mépris dans toutes ses interventions. Eh ben Macron, il a accentué le truc, quoi. Macron, il est arrivé, c'est vrai, avec ses petites phrases. Bon, tout le monde a fait tout un pataquès. Mais en même temps, on sent quand même l'arrogance, le mépris. Il a l'air tout sympa, il fait très sympa, hein. Puis en fait, c'est vraiment un enfoiré. Et voilà. Et puis après, bien évidemment, donc, c'était plus se battre contre ça, contre le gouvernement, contre ces gens qui décident de tout. Voilà. Au départ, ce n'était pas Macron. Puis très très vite, avec la répression qu'il y a eu, avec le fait qu'il s'en soit fichu complètement de ce qui se passait, des blessés, de la dame qui est morte, je veux dire, ils n'ont jamais voulu l'évoquer. Bah oui, c'est monté contre Macron. Il y a eu une petite chose, une augmentation de la taxe de l'essence. Et lui, il arrive, et depuis qu'il est au pouvoir, tout passe. Je veux dire, même Hollande, ça ne passait pas. Lui, tout passe. Il y a le rouleau compresseur de la majorité de La République En Marche qui est en place. Il fait ce qu'il veut, quoi. Et là, il y a ça qui arrive. Et il se dit, ça va passer, pas de problème, parce que de toute façon, tout passe depuis le début, hein, les cheminots, l'éducation, il y a tout qui passe. Et là, les gens, ils sont relevés. Et en fait, le symbole que je dis souvent, c'est la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres. Et bien, il y a eu une conséquence ce jour-là, c'est les gilets jaunes. Moi, je trouve qu'il nous snob du haut de sa tour. Et il ne faut pas qu'il oublie une chose, c'est que sans le peuple, il n'est rien. Ce qu'on déteste, nous, c'est la répression. C'est tout le monde déteste la répression. Il y a des policiers aujourd'hui, que ce soit dans la BAC ou chez les CRS, qui se comportent comme les truands en fait dans les cités. J'ai vu des comportements chez les dealers de shit exactement le même que chez les flics. De quelle manière aujourd'hui on recrute les gens qui représentent la police ? C'est un gros problème. En 2018, l'usage des LBD, des gaz lacrymogènes, enfin d'un tout un tas de matériel pour moi répressif, a augmenté de 200% en réalité, ce qui devrait être écrit, c'est que 200%, c'est pas en une année, c'est depuis le 17 novembre jusqu'à la fin décembre. C'est extrêmement parlant. Je leur en veux pas à la police. J'en veux au plus haut placé qui leur donne des ordres. Après, j'ai pas de haine du tout envers la police, pas du tout. Au contraire, ça me fait de la peine pour eux parce que ils écoutent des ordres qui, des fois, ne sont pas trop leurs convictions.
mais ils n'ont pas trop le choix, je pense, par rapport à ce qu'ils pourraient avoir eux derrière. Parce qu'ils ont un droit de réserve, il faut le savoir. Ils se taisent. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de suicides dans la police aussi. Ils sont maltraités eux aussi. Donc c'est vrai qu'à chaque manifestation, je leur dis bon courage. On ne vous déteste pas. Soyez avec nous. Parce que normalement, la police est là pour défendre le peuple. Et actuellement, le problème qu'il y a, c'est qu'ils ne défendent pas le peuple. Ils nous tapent dessus. Je leur demande d'être raisonnables quand vous lancez les grenades lacrymogènes. Au milieu de la foule, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des personnes sur des fauteuils roulants. Vous devez quand même respecter tout le monde. On a ordre de ne pas faire attention à toutes ces personnes. Ces personnes n'ont pas à être au milieu des gilets jaunes. Moi, je me bats depuis le début pour qu'il n'y ait pas de violence dans nos rangs. Il n'y a pas de violence dans nos rangs, en fait. C'est de la connerie, en fait. Bien sûr qu'il y a quelques zélés qui vont balancer des canettes de bière et puis, hop, ça part. D'ailleurs, en fait, il y a des gens qui balancent des canettes de bière, on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà. Mais c'est souvent des personnes d'extrême droite ou d'extrême gauche qui vont taquiner, en fait, la police. Il y a de plus en plus de gens qui détestent la police. C'est compliqué parce que nous, on se veut un mouvement pacifique. Mais en même temps, quand on voit des personnes handicapées en fauteuil roulant qui se font gazer, quand on voit des copains qui perdent les yeux, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, mais putain, mais ça pourrait être votre fils. C'est pas des black blocs qu'on fait. Et puis au final, s'il y a des black blocs dans nos rangs, c'est de la responsabilité de la police, c'est qu'ils font pas bien leur boulot, en fait. Comment ça se fait qu'ils viennent encore polluer nos manifs, quoi, en fait? Je trouve que la police a une démarche qui devrait pas être celle qu'elle est en train de donner. Elle se donne une très mauvaise image en ce moment, et je pense qu'elle commence à être pas mal détestée par la population. Et le maintien de l'ordre, pour moi, c'est pas fracasser des manifestants, gazer des manifestants, ou leur tirer dessus, ou leur jeter des grenades dès qu'on passe dans une rue pour leur plaisir. Et maintenant, en plus, il y a une violence judiciaire derrière, donc qui fait beaucoup plus peur aux gens que la violence policière, je pense. On manifestait pour la première fois, et on a été choqués par la brutalité de la répression, totalement aveugle, brutale, dont on a été confronté. J'ai l'impression qu'il y avait à un moment une consigne de terroriser, de briser le mouvement par tous les moyens. Une horreur. C'est pas normal que dans ce pays, enfin on est en France, qu'on ait eu des personnes qui soient éborgnées, parce qu'on parle des éborgnés, on parle des mains arrachées, mais il y a tous ces gars qui ont eu à qui on a touché la mâchoire pour des années d'opérations pour récupérer, à qui on a mis des plaques dans la tête. Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, il y a une plainte qui soit déposée au tribunal international contre Macron et Castaner pour crimes contre l'humanité, ben, en fait, ça serait vachement bien que ça aboutisse, puisque oui, c'est des crimes, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu vois, qu'est-ce que les gens ont fait pour mériter ça? Ma femme elle-même a été blessée à Bellecour le 12 janvier. Elle a été blessée par un tir de LBD et sa cicatrice, encore aujourd'hui, n'est pas totalement cicatrisée, comme une espèce d'omerta qui est faite là-dessus, sur le nombre de blessés, la gravité des blessures qui sont pour beaucoup irréversibles. Bah, la gestion de la crise, pour moi, c'est catastrophique. C'est complètement disproportionné et le but, encore une fois, c'était d'orchestrer une radicalisation du mouvement, de faire en sorte qu'on vienne les méchants dans l'histoire. C'est pour ça qu'ils ont bien mis en avant les casseurs, le black bloc, les gens comme ça, alors qu'en fait, eux, ils sont là dans toutes les manifestations depuis 20 ans, 30 ans, même depuis bien avant, quoi. Moi, quand j'entends un policier qui me dit, il me l'a dit à Lyon, hein, et pourtant à Lyon, ça pète vraiment pas, quoi. C'était un jour où on s'est fait dégager de la rue de la République à coup de gaz. Il m'a dit tout à l'heure, j'étais à deux doigts de sortir mon arme pour que ça finisse, pour que je finisse en prison et que je puisse enfin être tranquille. Un CRS m'a dit ça. Hein. Emmanuel Macron et Christophe Castaner, ils sont responsables d'une chose, c'est une perte de confiance de la population envers les forces de l'ordre.
Alors que pourtant, il y a eu un rétablissement de cette confiance très fort à la suite des attentats Charlie Hebdo, Bataclan, etc. Où quand même, on faisait des haies d'honneur à nos policiers. Enfin, c'était, il y avait un lien. Je déteste pas la police. Par contre, dès que je suis en manifestation, très vite, ça monte en fait. Ça monte la colère. Ils arrivent à mettre les gens en colère, quoi, des gens qui ne l'étaient pas au départ. Et au bout d'un moment, oui, tu les détestes, mais c'est horrible, hein. C'est une fumisterie complète. Les médias, il faut savoir que dès le départ, ils cassent pas mal le mouvement des Gilets jaunes. À les entendre, on est à peine 2%. À cause de la censure, beaucoup en veulent aux médias. Quand par exemple à Lyon, on est par exemple 4000 ou 3000 ou 2000, et que les médias disent on est 200 ou 300, alors, ils en veulent aux médias. Ils en veulent aux médias, effectivement. Il y a plein de gens qui me disent sur les ronds-points, « Putain, Tony, le temps qu'on a perdu à se faire manger le cerveau par la télévision. » C'est un peu comme Orwell, 1984. Il y a des mots qui sont utilisés par vos confrères journalistes, et ça passe. Et petit à petit, on s'y habitue. Et c'est la décrépitude, en fait. Je veux dire, on voit les Gilets jaunes. Moi, j'aimerais bien qu'on montre les belles choses qu'on fait chez les Gilets jaunes. On n'est pas des casseurs, merci. On est des pères de famille, on de travaille, toi, on est des pauvres, voilà. Voilà, on n'est pas là pour casser, voilà, on est respectueux. Les médias mainstream, en fait, ils le cherchent. Enfin, je veux dire, nous, on paye avec nos impôts des gens qui ne relatent pas la réalité, ce qui se passe réellement dans la rue. Ils mentent. On sait qui sont les patrons de ces médias. Que ce soit Bernard Arnault, que ce soit Bouygues, que ce soit Lagardère, que ce soit Drahi. Ils ont tous été soutien et financier de Macron. On voit la différence de traitement, hein, la différence de ce qui est vécu chaque samedi dans chaque manifestation et ce qu'on lit ensuite dans la presse sur le nombre de participants, sur les bavures, hein, les brutalités policières.
ce traitement de l'information, ça a irrité énormément de gens. Je pense que les médias qui sont les médias un peu de propagande de notre gouvernement, je ne citerai pas les noms, mais des grandes chaînes populaires, sont en porte-à-faux avec le gouvernement, donc ils ne veulent pas montrer vraiment ce qui se passe dans le mouvement des Gilets jaunes. Ils montrent que les côtés négatifs de ce mouvement, donc les casseurs, les gens un peu, on va dire, racistes ou les homophobes comme ils peuvent nous traiter, ou les antisionistes, les antisémitistes comme ils ont pu nous traiter. Et en fait, ils ne montrent pas le vrai côté et la vraie demande qu'on a en fait. Il y a eu par exemple, je parle de l'événement très malheureux contre le philosophe Alain Finkielkraut. C'est regrettable, c'est grave, mais ce n'est qu'une poignée d'individus. Et les médias, forcément, ils veulent faire aussi le buzz, et ils se sont mis là-dessus. Et après, moi, je rejoins des manifestants qui ont la haine de ça, parce que ça a fait le buzz, et finalement, ça se dit que les Gilets jaunes, ils sont antisémites. Ça a été pareil pour les actes homophobes, etc. Et que ça ne représente pas du tout la réalité. C'est des événements isolés. Ils sont graves, ils sont condamnables, mais c'est très très loin de réalité, de représenter notre réalité. Donc tout a été fait par ces médias, nous on va dire, pour jouer le jeu, nous décrédibiliser. Et sur le terrain, la réalité, elle est autre. Il me semble que le but d'un journaliste, c'est de nous informer. C'est d'être au service de la vérité, il me semble. Ou alors, s'il est complètement politisé et qu'il l'admet, c'est d'avoir l'honnêteté de dire qu'il est politisé et qu'il délivre un message qui est orienté. Or, les médias mainstream, pour en citer peu, BFM, CNews, etc., hein, eux, c'est pas du tout ce qu'ils font. Enfin, c'est le message complet d'Emmanuel Macron, c'est la propagande médiatique. Ils ne font que ça, ils ne servent qu'à ça. Ça a été déplorable. En fait, ça a pas montré du tout l'image du mouvement, quoi. On a montré, ouais, que des casseurs. Et moi, je comprends que les gens qui n'étaient pas dans la rue, qui n'étaient pas concernés, quand ils regardaient la télé, oui, c'est les gilets jaunes qui passaient pour les méchants, quoi. C'est sûr, hein. Mais... Quand on voit toutes les revendications des Gilets jaunes, la liste elle est longue au départ, tout le monde se retrouve là-dedans. On a renoué avec un système de caste, on a fait la révolution justement pour que ce système de caste-là s'écroule, et au final moi je vois que il y a des personnes qui nous ont méprisés dès le début. Il y a un monde parallèle. Quand on est en manif, on voit ceux qui font leurs courses et ceux qui sont gazés. Voilà. Donc déjà rien que là, il faut se poser la question. Pourquoi il y a ce monde parallèle-là? Il y a 566 SDF qui sont morts dans la rue l'année dernière. C'est pas normal parce que les richesses, elles sont pas partagées, quoi. Quand il y a tant d'argent, ça devrait pas exister. Il y a en France des gens qui travaillent à temps complet, qui dorment dans leur voiture. Il y a 9 millions de pauvres. Je dis bien de pauvres, ils n'arrivent pas à finir les fins de mois, ils n'arrivent pas. On veut vivre de notre salaire.
on ne demande pas plus de, d'aide sociale. Je dirais que bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent, ils ont le droit de critiquer les Gilets jaunes en disant mais de quoi on se plaint, on est dans un pays riche, on a une économie qui tourne. Moi j'ai entendu dire, ouais mais si t'étais en Algérie, ce serait autrement. Ouais si t'allais au Portugal, tu verrais que les soins c'est autrement. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ça. La différence c'est que moi je vis ni au Portugal, ni dans d'autres pays, ni en Algérie. Je vis en France moi. La retraite qu'on va me donner, ça va être pour la France, une retraite minable. Donc voilà pourquoi on peut avoir le sentiment qu'on vit dans deux pays. C'est deux mondes différents et en fait, toute la beauté de la chose, ce serait que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas dans les faits parce que ceux d'en haut ne connaissent pas ceux d'en bas. Et ceux d'en bas connaissent de plus en plus ceux d'en haut à cause des scandales à répétition qu'on voit décoller de plus en plus. Le fait de manifester, c'est de la politique. Le fait de défendre des causes, c'est de la politique. Le fait de porter un gilet jaune pour faire un silène d'Allah, c'est de la politique, c'est un engagement. On est apartisan. On ne se définit pas de droite, de gauche, d'extrême. En fait, on se complète dans un ensemble, mais c'est quand même très politique parce qu'on veut mettre en place des nouvelles choses. On veut que le peuple français il ait plus de pouvoir au niveau politique. C'est un mouvement purement politique, mais politique au sens, je dirais, grec du terme, c'est-à-dire la place de l'individu, du citoyen, de l'humain dans la cité, entendu, cité urbaine et rurale. C'est ça la politique, c'est quelle est notre place, qu'est-ce qu'on revendique, nous, en tant que citoyens, dans cette société, ce modèle de société qu'on nous propose. On veut participer, on veut aussi être acteur d'un modèle de société qui finalement on subit. Il y en a un qui peut être FN, il y en a un qui peut être Mélenchon, peut être peu importe. On s'accepte tous comme on est, on ne se pose pas la question de qui a voté qui. On s'en fout de tout ça. Nous, tout ce qu'on voit, c'est notre quotidien. On passe notre temps à faire du politique, à produire de la matière politique, on ressasse et on a même changé, un exemple typique, on a changé la façon dont ces deux se sont déroulées les élections européennes. Je veux dire, il y avait quoi? Il y avait 34 listes, je crois, en France. Sur les 34, il y en a moins une vingtaine qui parlent du RIC. 20. On n'aurait pas existé, personne parlait du RIC. On a changé la façon de faire de la politique en faisant du politique. Il n'y a plus d'égalité, de fraternité et de liberté. La preuve, on nous interdit de manifester alors que c'est un droit qu'on a. Et quand on manifeste, on se fait tabasser, insulter, on se fait incarcérer pour avoir manifesté, pour avoir été un gilet jaune. On est dans une dérive qui va à l'encontre de notre constitution. Donc, comme je vous dis, quand on se fait violenter par la police et que quand on va déposer une plainte contre cette police, on se fait mettre en garde à vue et on nous accuse, nous, d'avoir été violents envers eux sans aucune preuve. Ce mouvement, et je le dis tout le temps, il a été créateur de liens sociaux. On s'est parlé à nouveau, on est allé dans la rue, tous différents, ne pouvant ne pas s'aimer par moments et s'adorant à d'autres moments, on est allé dans la rue et on a parlé. Le mouvement est extrêmement jeune. Il y a eu des erreurs de jeunesse, mais c'est comme ça. Mais le bébé, il va grandir. Mais croire que le mouvement est mort, non. La révolte, elle est toujours là. Donc pour le moment, elle est matée. Moi, pour moi, c'est comme ça que je vois, elle a été matée. Mais la révolte, la colère, elle est toujours là. Elle va ressortir. Il y aura un avant et un après Gilets jaunes. Mais cet après, il est en train de se bâtir. Nous n'en sommes qu'au balbutiement. D'accord ? Donc, il faut continuer à poser des pierres.
ça sera à refaire, je recommencerai. Je recommencerai et je recommencerai encore. Et s'il faut rester encore, je resterai jusqu'au bout. Historiquement parlant, dans 50, dans 100 ans, dans l'histoire, on parlera toujours des Gilets jaunes. Macron, Castaner, Édouard Philippe, on les aura totalement oubliés. Si on regarde les réponses qu'on a eues, non, ça valait pas le coup. Et surtout, voilà, pour cette dame qui est morte à Marseille, hein, parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de mort, quand même morte à cause d'une... d'une grenade lacrymogène quand même. Les 10 morts, ou 10, 11, je ne sais plus, sur les ronds-points, comme on disait tout à l'heure, les éborgnés, les machins, les gens qui sont en prison, ça ne valait pas le coup dans ce sens-là. Les réponses, elles ne sont toujours pas là. Mais, ça valait le coup de sortir, ça valait le coup de se montrer. Je pense que ce n'est pas rien ce qu'on a fait. On a montré des choses, on a fait comprendre à des gens que voilà, il y avait une situation. Les gens, ça fait quand même des dizaines d'années. Bon, hein, les repas de famille, les machins, on sait ça. Les gens râlent, quoi, les gens n'en peuvent plus. Voilà, on a au moins montré qu'on pouvait le faire. Donc à ce niveau-là, c'était bien. Ça valait peut-être le coup d'être là. Je pense que les manifestations ne servent plus trop à rien maintenant. On a fait le maximum sur ça. Maintenant, il faut savoir se structurer, s'organiser et être encore plus intelligent que ce gouvernement. Moi, je pense qu'il y aura toujours des manifestations samedi parce que je pense que ça tient à cœur à certaines personnes de se retrouver le samedi, de montrer qu'on est toujours présent. Mais je pense que ça va évoluer dans un autre sens où on... je dirais pas qu'on sera plus méchant, mais on va faire des actions un peu plus... qui va marquer un peu plus le coup. C'est pas des chefs qu'il nous faut, c'est pas des strates, c'est vraiment de la coordination. De la coordination dans la communication et à coordonner des actions. J'ai lu l'histoire de 1789, de 1871, c'était la Commune, de 1848, de 1958. Eh bien, il y avait eu des contre-gouvernements. Et à ce moment-là, il y avait du renouveau pour le pays. Et c'est ce que l'on veut. Maintenant, quand l'exécutif, lui ou un autre, pensera à faire des taxes et des mesures plus dures encore, il va y réfléchir à deux fois. Ce qui s'est passé, c'est incroyable. Donc, ouais, non, il y a tout ce que les Gilets jaunes ont fait, ça vaut le coup. Je parle même de la violence. Même la violence, ça a valu le coup. Et pourtant, je suis non-violent. Tout a valu le coup. Pourquoi ? Parce qu'on a délivré un message. Et ce message, même si aujourd'hui ils font semblant de pas l'entendre, il est passé au niveau de la population. Et c'est eux, en fait, les vrais qu'on visait. Parce que ceux contre nous, on sait très bien qu'ils sont au pouvoir, donc ils vont pas partir de là. Par contre, la population, il est passé le message. Du jour au lendemain, maintenant, il n'y a personne qui est à l'abri d'un mouvement social. Eh ben, il faut continuer de remonter nos manches. Il ne faut pas baisser les bras. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup plus ciblées, en fait, qui vont être menées. On essaye de faire comprendre à nos compatriotes, policiers, que ce qu'on fait, en fait, ce n'est pas contre eux, c'est contre le système, c'est pour leurs enfants, c'est pour leurs aînés, c'est même pour eux-mêmes, en fait. C'est là le paradoxe de la police, en fait. Ils viennent taper sur des gens en fait, qui se battent pour leur avenir. Ils n'ont pas trop compris le truc. Et je pense qu'à l'avenir, en fait, moi je vois des gens qui se réveillent. Je vois des personnes en situation de handicap en fait, qui ont enfin un droit de cité, un droit de parole. Avant, on les mettait de côté, on n'en parlait jamais. Je vois des familles monoparentales, des nanas, des mecs, familles monoparentales qui prennent enfin la parole, quoi, en fait,
qui disent bah voilà, nous on peut plus vivre comme ça. Il y a des gens en fait, il y a énormément de personnes qui sont salariées et qui dévisent totalement, qui sont dans la précarité. À mon avis, le mouvement des Gilets jaunes, il est voué à évoluer. Et même s'il disparaît sur le terrain en tant que manifestation ou choses comme ça, il y a la pensée, l'esprit des Gilets jaunes, en fait. Pas le symbole, parce que le symbole, lui, pour moi, ça, c'est sûr, c'est certain qu'il est mort, le symbole. Parce qu'on a été, on est trop stigmatisé maintenant. On met un gilet jaune, tout le monde pense violence. On a perdu cette bataille-là, pour le coup. Mais l'esprit du gilet jaune, l'esprit solidaire, revendicatif, etc., celui-là, il va faire son petit bonhomme de chemin, il est inscrit dans les mentalités. C'est-à-dire que, dans 40 ans, il y a des gens qui parleront des gilets jaunes. Quoi. Pour moi, c'est un mouvement spontané. Selon ma vision des choses, il aurait dû exister qu'un seul samedi, où c'était comme ça une expression populaire pour faire remonter des demandes, des informations. Et finalement, il existe toujours. Ça a été présenté comme la crise des gilets jaunes. Moi, j'étais jamais d'accord avec la crise des gilets jaunes. Ça a été la crise de la société. Ça a été une crise sociale et démocratique. Il n'y a jamais eu de crise des gilets jaunes. Peut-être que maintenant, il y a une crise des gilets jaunes parce qu'il va falloir s'organiser. Donc, du coup, le mouvement m'a apporté beaucoup de savoir, beaucoup de sociabilité, beaucoup de fraternité, beaucoup d'amour. J'ai rencontré des amis aussi, beaucoup de soutien. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. À mon avis, ça va continuer. Le chemin sera long, mais il continuera. Il n'y a pas un seul jour où je regrette, c'est incroyable. Ça vaut le coup. En tout cas, moi, je ne suis pas prête d'arrêter. Voilà. Les cendres ne sont pas éteintes, rien du tout. Il y a toujours un foyer qui traîne dessus. Et je pense que... Un petit coup de vent, ça peut repartir. On n'a pas de chef, on n'est pas des moutons. On n'en veut plus de ça. On n'a pas à nous dire ce qu'on doit faire. Déjà, on en a assez. C'est pas un peu long comme intro là les mecs? Ah oui, j'avais oublié de te dire. Oh non, de toute façon je discute pas avec des musiciens. Allez vas-y, fais. S'il vous plaît les CRS, est-ce que de temps en temps vous pourriez nous défoncer un tout petit peu moins fort, sérieux? Des fois ça fait quand même un peu mal. On sait bien que ton boulot c'est de taper les vilains. Sauf que là quand même tu crois pas que les vrais vilains c'est ceux qui t'envoient nos côtés. Avec l'argent de nos impôts. Allez les CRS, enlève ce casque et fais-nous un petit sourire. On n'est pas méchants, on est juste des petits poissons qui commencent à bien comprendre. Putain mais non, tu me coupes ma phrase là. Putain mais je dis quelque chose, putain. Mais ben, c'est la pause, les petits poissons ont pas de mémoire. En train de se faire prendre par un gros filet de pêche. Et que toi, bah ouais, t'es chargé de défense. Sauf que si tu regardes bien, en fait t'es comme nous, le filet de pêche, comme un con t'écris dedans. Allez les CRS, venez nous faire un câlin. Car on sent bien que sous cette armure qui
d'ailleurs est en plastique dur, car si elle était en fonte, vous seriez mal à l'aise pour faire des mouvements si amples quand vous nous jetez du lacrymogène. Reste sous cette armure comme d'un gradant à l'époque, on sent bien qu'il reste encore un petit cœur.